Député de la Salle-et-Marne. Monsieur le Président, pendant que le gouvernement du Québec, Investissement Québec et le Fonds de solidarité de la FTQ travaillent sur un plan de relance pour Aveos, le ministre de l'Industrie se contente de dire qu'il est sympathique au sort des 1800 travailleurs licenciés à Montréal. Malgré tout, on laisse le Québec se débrouiller pour sauver les actifs et les emplois. Pourquoi ne pas faire respecter la loi sur la privatisation d'Air Canada et pourquoi ne pas appuyer les efforts du Québec? Madame la ministre des Transports. Merci, M. le Président. Notre position est claire dans ce dossier. M. le Président, deux entreprises privées sont concernées. Et comme le dossier présentement est devant la Cour, M. le Président, nous nous priverons d'autres commentaires.